on achètera peut-être au fur et à mesure des voitures, mais là je vais prendre une voiture histoire d'être bien. Voilà. En fait, c'est en hauteur. Plutôt drôle. Donc là on a une carte de tarot encore, ah c'est... Je dois avouer c'est... Faut les trouver hein. Et comme on va toutes les faire... Alors elle est pas très loin... Alors voyons voir un petit peu, voyons voir ce modèle là. Ah oui. Ok. Du coup là, quand je fais ça. Ah d'accord, ok, donc elle se rajoute bien. Ouais, bon bah voilà. Moi c'est ça que je veux, hein. C'est récupérer ma belle berline. Voilà. J'aime bien celle-là. J'aime bien l'intérieur surtout quand je suis à l'intérieur. Je me sens bien à l'intérieur. Avec le petit... puis même derrière et tout. Ça fait grosse caisse de gros mafieux. Moi je kiffe quoi. Voilà. Donc on fait ça pour le moment. Il y a 20 graffitis à trouver au total. Donc on va en faire un petit peu là hein, quand même. Allez, nos stress. C'est en bas. Donc en fait, j'avais juste à acheter un... Juste à acheter une voiture pour la redébloquer, c'est assez bizarre. Je pense que c'était un bug. Enfin bref, peu importe. C'est juste que je voulais pas avoir trop de voitures dans ma liste. Hein. Même si j'ai l'impression que celle-là elle se met en premier et moi ça me convient. Parce que ma voiture c'est ma voiture. Alors on en a un ici. Ah c'est sur le mur, d'accord. Mais en plus de ça on était passé hein. On était déjà passé par là il me semble. Ok. Voilà. 4 sur 20. 4 sur 20 et du coup là on en a un. Vous savez quoi, on va l'acheter, 13 000. 13 000 on peut. Vu que là, je sais maintenant comment ça se passe avec les véhicules. Je trouve un moyen comment monter là-haut, mais on va voir si on peut passer par là, ce qui m'étonnerait. Non. On va pas là. Là, on va manger un petit truc. Hop là. Voilà, ça tranche.
diront c'est pas bien, mais je m'en fous. Ça tranche. Là, attends. Ok, c'est sur un parking également. Ok, c'est vraiment une voiture de merde. Mais bon, c'est histoire de ne pas avoir le point. N'est-ce pas? Eh, hey, tu vois? Une petite dégaine de derrière là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors attends, parce que là, alors on a un point. Donc ça va être réflexe. Voilà. Lame. Il faut 10. Attends. On remet la map. Faut absolument que je fasse une grosse session au bat de baseball. C'est dommage, j'aurais dû le faire dès le départ. Là j'ai dû perdre trop d'XP quoi. C'est juste que ça me saoule en fait d'aller chercher ces trucs là. Et bah vous savez quoi? Il y a le charcut doc. Voilà. Oui. Et ça. Wow, allez-y, vous gênez pas. Ok, ça c'est fait. Wow. Qu'est-ce que c'est tellement cool ce cet endroit là. Carte là aussi. Allons voir. Non mais c'est pas vrai. Viens voir. Quoi, je l'aurais vu. Tout va bien? Ah, elle est là, c'est bon, je la vois. Il faut là. Ok. Ah oui, d'accord, ok. Hop.
tranquille ma voiture. Alors, on va se garer là, voilà, ça évite un tas de petits problèmes. Mais ça serait vraiment bien qu'il y ait des dépanneuses et tout qui te piquent ta bagnole. J'avoue, j'y avais pas pensé. Et comme ça. Qui sait ce que vous pourriez y trouver? Ça va être ta surprise. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle des renforts? On les fracasse? On traîne les corps à l'intérieur? Est-ce que ça roule? Entre. Accroche-toi encore un peu. Le charcutoc arrive. Ah, à la poisse. Pourquoi elle est pas à l'hôpital? Ouais. On est sûrement plus à l'abri ici. Ah, merde. Salut, V. N'importe quoi. Tu veux me parler de ma proposition? T'as plus d'intérêt. T'as 5 minutes pour ramener ton... On va aller voir Rogue. Non. Si je suis dans ce merdier, c'est parce que c'est toi qui m'y as mise. J'ai tout perdu. Tu le sais. Et c'est ta faute. Tout net. C'est à toi de résoudre tes problèmes. Et de nettoyer ta merde. Va te faire foutre. Et fais gaffe avec qui tu traites. Ok. J'ai besoin d'un fixeur. Une affaire très urgente. Qu'il entre. C'est étrange. Ta tête me dit rien. T'es qui? M'appelle V. Et qu'est-ce que tu me veux, V? Après toutes ces années, c'est vraiment elle. Cette putain de Rogue qui se la coule douce dans un canapé à l'afterlife. Essaie pas de l'embrouiller. Elle peut lire en toi comme dans un livre, alors dis-lui la vérité. J'ai besoin de tes services. Je dois trouver un type. Ah ouais? Anders Hellman. Un ingénieur haut placé, il bossait pour Arasaka. Une milliseconde. Anders Hellman, tu peux me le localiser? Merci. T'emballe pas. Primo, mon aide à un prix. Et ensuite, Dexter DeShawn, Jackie Wells, T-Bug. Tu fais parler de toi, V. Et tu laisses un paquet de cadavres derrière toi. La mort te suit. Tu dois mettre ça sur le compte de la machine. Ah, je retrouve bien là son côté casse-couille. Parle-lui de la tour Arasaka. Quand ils m'ont abattu sous ses yeux. Il connaissait les risques. Il peut arriver un tas de trucs. Un tas de gens. Même au meilleur. Même à toi, Rogue. La tour Arasaka, tu te souviens? Qui t'a perdu ce jour-là? Je peux pas m'asseoir. C'est dommage. Ah, t'as mené ta petite enquête. Évidemment. Mais comme je dis toujours, les sentiments, on s'en tape. C'est purement professionnel. Si tu veux mon aide, allonge les édits. Tu vois? Et si j'ai pas assez, c'est bonne journée et casse-toi, c'est ça? Non, ce serait plutôt reviens quand t'auras le fric. C'est comme ça que ça marche. À bientôt. À très bientôt. Tu sais où me trouver? Ah bah non, j'ai des... Ça devrait suffire. On va pas se me voir demain. On discutera. Ok. Hey, du boulot, ça vous intéresse? Un peu plus tard. Je viens voir Rogue. Elle m'attend. Salut Rogue, c'est encore moi. Du nouveau sur Hellman? Deux verres. Vous soyez de là. Assieds-toi. J'espère que tu l'as trouvé. Une détermination comme ça, j'en vois pas souvent. Tu dois vraiment avoir besoin de ce type. C'est une question de vie ou de mort. Ça non plus, je l'avais pas entendu depuis un bail. Laisse la bouteille. Vas-y, serre-toi un verre. Le petit clin d'œil. À ta santé.
À la tienne, petit. T'en auras besoin. Merci, Nyx. Reine de l'Afterlife. Qui l'eût cru? J'ai un éclat pour toi. Avec des infos très intéressantes. Tu crois qu'elle va m'aider? La Rogue que je connaissais était une connasse insensible. Mais elle se fie à son instinct. J'ai l'impression qu'elle pense que t'as ce qu'il faut. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ton Hellman ne bosse pour personne. Du moins, pas officiellement. Mais il apparaît dans les fichiers confidentiels de Tianti. Une filiale de Kang Tao, une corpo chinoise. Kang Tao s'en sert comme couverture depuis des années. Pour ses opérations plus sensibles. Tu comprends? Il le protège sûrement d'Arasaka. Il devait travailler sur un projet top secret. D'Arasaka et de toutes les méga-corpos qui veulent savoir ce qu'il sait. La carte décryptée des itinéraires des prochains convois de Kang Tao. Tu penses qu'Hellman est dans l'un d'eux, c'est ça? Mais lequel? Regarde la description de celui-là. Une seule navie, sans renfort au sol. Aucun manifeste de marchandises. C'est marrant. C'est vrai que Kang Tao transporte parfois des produits non déclarés pour les faire passer en douce. Mais là... Emats le chargement de la navie. Déjà approuvé par le système, mais trop léger. Impossible qu'une cargaison soit à bord. Ah. Mais il y a une liste de passagers. Un détachement de sécurité de Kang Tao et un VIP, transféré depuis Tianti. Notre gars, Hellman. Ça, c'était la bonne nouvelle. Ah, ça devait arriver. Toutes ces données sont confidentielles. T'as juste claqué des doigts et c'est tombé comme ça? Je sais où chercher, et sur qui faire pression. Et puis, je déteste perdre du temps. Surtout avec des questions stupides. Et c'est quoi la mauvaise? La mauvaise, c'est le point d'extraction. Regarde, tout ça, c'est l'espace aérien de Night City. Impossible d'attaquer la navie sans que le NCPD le remarque. Et là, on est trop près de Kang Tao. Si on s'avise de regarder la navie de travers, leurs mignons nous tomberont dessus. Là, par contre, dans les plaines Jackson, il y a un étroit couloir juste en dehors de la ville et hors de portée de Kang Tao. On dirait que c'est ton jour de chance. Une zone morte. C'est là que je vais le choper. Il va te falloir quelqu'un du coin. Quelqu'un capable de monter l'opération et de te fournir le matériel. Ça va déjà être la merde, rien que pour suivre cette navie. Je connais, j'ai vu voler d'anciens modèles pendant la guerre. Ils sont énormes, mais rapides. Et ce modèle a des défenses next-gen. On le tirera pas comme ça, même avec du gros calibre. Aucune chance que ça marche. C'est pas une question de puissance de feu. Il y a d'autres moyens et des gens qui les connaissent. Ou qui peuvent improviser dans cette situation. Un autochtone? Tu connais des mercs qui collent au profil? Une seule. Madame Palmer. Elle peut plus compter sur son clan, mais c'est une vraie nomade. Elle connaît ce coin, et elle t'aidera. Elle y sera bien forcée. Elle y sera bien forcée? C'est pas très engageant. Ni pour elle, ni pour moi. Il faudra t'en contenter, vu tes moyens financiers plus que limités. Je peux vraiment pas laisser passer cette occasion d'enlever Hellman. C'est ton OP. À toi de voir. J'ai un mauvais pressentiment, V. Étrange. Je pensais que les nomades s'approchaient pas des villes, ni de ceux qui y vivent. Ça dépend des clans, de leurs connexions, et de la merde dans laquelle ils sont. Mais t'as raison, les Aldés Kaldos refusent de faire affaire avec la ville en général. Paname voit les choses différemment? Ouais, elle voit tout différemment, on dirait. Pourquoi Paname devrait m'aider? Elle est où, l'arnaque? Hein? Paname transporte de la marchandise pour moi, de temps à autre. Son dernier boulot, disons que c'était pas son jour. Il y a eu un problème? Un foirage complet, plutôt. Elle a perdu la marchandise et sa bagnole. Paname fera tout pour récupérer le chargement. Elle joue sa dignité, je la connais. Bon, je veux bien essayer de l'aider. Mais faudrait d'abord savoir où chercher. On sait. Je sais. D'accord. Dis-moi ce que tu sais. Pose pas trop de questions. Rocky Ridge, une ville fantôme en dehors de Night City. Paname, c'est où c'est. Allez là-bas, choper la marchandise, oubliez pas la bagnole.
Évidemment, tu vas d'abord l'appeler. Je t'envoie son com. Ah, enfin. Ok, ça me va. Allez, foutons ce camp d'ici. Bonne chance. Appelez Panam. On fera ça plus tard. Du boulot, ça vous intéresse? Quel genre? Transport de marchandises d'un point A à un point B. Vite fait, bien fait. Intéressé? Je vous écoute. C'est tout con. Vous allez sur le front de mer de Kabuki, vous récupérez le colis, vous m'appelez, je vous dis comment le livrer, et voilà. Ouais. Mais pour ma paye? Ne vous inquiétez pas, vous aurez droit à un bonus, de l'import hors taxe. Hors taxe et hors détail aussi. Oui, mais ça reste une offre équitable. Un boulot facile et bien payé. Alors, vous le prenez? Et tu me la mets à l'envers, mon ouais, dieu. Ok, ça marche. Parfait, je savais bien qu'on trouverait un accord. Allez sur le front de mer de Kabuki et cherchez un frigo avec nos futurs écrits dessus. Quand vous l'aurez trouvé, récupérez son contenu et appelez-moi pour la suite des instructions. La plus alors. Alors. Salut, oui. Claire. C'est vrai qu'il fallait que je vienne la voir, mais on va faire ça. Hein. Oh là là, c'est passé en light. C'est chiant. C'est chiant. Moi, j'aimerais qu'en fait ça s'équipe en fait à mon niveau. C'est vrai que ça serait mieux. C'est vrai que ça serait beaucoup mieux. Du coup, on va aller faire ça. C'est ça. T'es venu parler de ma proposition? Ta proposition. Ouais. Parle-moi ces cours de rue. Ok, mais pas ici. C'est trop le bordel. Je serai à mon garage après mon service. Tu peux passer? Nova, on se voit là-bas. À plus tard. Ok, bon. Hé, hey, distingué. T'en fous partout, là. Ouais, toi. T'as des relations de la Oh, je vais gerber. Bon. Ouais, allez, tiens, vas-y. Sors les mains en l'air. C'est pas grave. On est toujours dans le quartier, c'est très bien. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le vrai nom de ce qu'ils appellent le cyberespace est en fait Pandémonium. Je m'éloigne un peu. Qu'est-ce que la vie sans corps? Que sont les êtres du net, sinon des âmes venant d'au-delà de notre plan d'existence? J'ai entendu leur voix. Que les vivants ne franchissent jamais ce seuil, car leurs âmes rejoindraient ces rangs spectraux. On est à Night City. Personne n'a d'âme à perdre. Moquez-vous, mécréants! Vous verrez bien qui rira le dernier quand les flammes de l'enfer vous dévoreront! Satan en personne! Sans rire, je suis sceptique. Il paraît que le runner qui a écrit le démon Satan l'a pas doté d'un grand sens de l'humour. Vous vous demandez sûrement qui a ouvert les portes impies des abysses. J'ai pas entendu de question. Ce mec en slip. Je vais vous répondre. Les techno-nécromanciens d'Alpha du Centaure. Je vous reconnais. Vous venez souvent ici. Je lis dans vos yeux que vous avez ouvert votre esprit à la vérité. Je peux compter sur un modeste don pour poursuivre ma mission. Tu fais du bon boulot. Serre-toi. Toi qui me demande pas plus, ça va sans... J'ai envie de voir ce que ça donne en fait. J'ai vu dès le départ que vous étiez un disciple de la vérité. Alors, on a une batte juste à côté, on va la faire. Je pense que je vais quand même me concentrer un petit peu sur ces...
Yvon Takemura, Big in Japan. Oh, on a quand même des quêtes dans le quartier. On va les faire. Après il y a les voitures à acheter aussi. Oh là 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 là, il y a trop de trucs en fait à faire. Allez, c'est parti. Eh, tu ne devais pas des édits ? Chou, t'es défoncé. Non, mais je suis sérieux. Quelques édits pour un vétéran. Pour moi, ça règle le problème. Il devrait faire en sorte que quand tu fais ça, t'as quelques instants pour te barrer en fait. C'est parce que la police vient quoi. Ils n'y ont pas pensé. Enfin, ça manque de finition hein, sur ce point-là, mais c'est pas très très grave. Je pense que sur le long terme, ils pourront régler ce genre de problème. Alors, on va se prendre une petite moto. Tiens, il faudra que j'achète une moto d'ailleurs. Est-ce qu'on irait pas faire les autres? Ouais. On va faire ça. On va faire ça et ensuite on va faire ça. What? Désolé. La moto c'est quand même extrêmement radical, hein, à pas se mentir. Allez, c'est parti. Monsieur. Ça va vite en fait au final, c'est... Ça va plus vite que ce que j'avais imaginé, hein. Faire ça. Là. Donc on va faire un 100% hein, je pense, hein, vraiment. Je t'apprends 200 heures. Il n'y en a pas qui disent ouais ça prend 40 heures, mais non, si vous faire vraiment le 100% comme The Witcher, ça va ramasser tous les coffres, tous les machins, vous en avez facilement pour 200 heures. Allez, c'est parti. Bon, on a une cible. Oh, elle est belle cette voiture. Fait hack de tout va, je sais pas où il est ce con. Bon, ok, je retourne.
Ça fait mal. J'aimerais juste savoir le taux de pourcentage qu'il y a à... Je vais le décapsuler. Alors... Et voilà, problème réglé. Qui est-ce que vous pourriez trouver ? Ok, le katana il se range au bout d'un moment. Bon à savoir ça. J'avais jamais fait attention. Ça, hop. Bon, je crois qu'on a fini. Hein. Ouais, c'est parti. 300 mètres quand même. Ça devait être la bécane de... des terroristes. Hein. Pas terroriste, pas. C'est un gros mot. Gang. C'est plus juste, je pense. Wow. Ça fait un flip là. Ok, bon. Ta tranche, chérie. Aïe. Les autres sont pas au courant, putain. Chambre comme ça, ça me tue à chaque fois. Faut me dire que ça y est, c'est fait. Ah oui, non, mais c'est extrêmement rapide en fait. Les petits gêneurs. Bon.
pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Ok, il a juste été jeté, son cadavre a juste été jeté. Qui sait ce que vous pourriez y trouver? Ok. Ok, bon. C'est juste ça. Ok, ok. Vous savez quoi? Je vais aller faire ça. Évidemment, le point ne se met pas. Voilà. Ah putain, enculé. C'est pour les voitures. Bon. Allez. Ok. Ça c'est fait. On a une fresque là. On va aller la faire. C'est dangereux. Attends, ça, est-ce que je peux rentrer dedans? Oh, je peux rentrer dedans. Ça c'est bon ça. Je vais conduire ce véhicule, tiens. C'est une blague. Trop bien ce véhicule. Open Key Plaza. Carte et ah, celle-là par contre elle a un petit look sympathique, un petit look cyberpunk très sympathique. Allez hop, en plus elle est pas trop chère, j'avoue, la classe celle-là. Ok. Que le vert. Voilà. Et carrément les flics qui ont été exécutés. Hop. Allez, hop. On en a une là et après on a fini tout ce secteur là. On aura vite fait ça et ça à faire. Franchement, ça met bien là. Finalement, c'est rattrapable plus rapidement que ce que j'avais prévu. Du coup, on va le faire. Sonia, on peut enquêter sur lui.
Ce qui est vert. Hop. Et voilà. Parti. Ah, on fait ça vite, hein. On fait ça vite. En même temps, c'est fait pour être fait vite. Samouraï. Tellement efficace au katana. Et t'as mis les bons points, bon perc. Ah, elle a pris un peu dans la gueule là, ma voiture, j'avoue. Mais bon, c'est pas très grave. C'est un plaisir de la conduire, quoi qu'il arrive. Voilà, on y est. Attends. J'ai un truc. Pas de pas. Bizarre. Ne tirez pas. C'est pas. Ok. Je teste des trucs, hein. Aïe. Les barbelés. Putain, je vais peut-être me soigner quand même, parce que j'ai pas vu ma vie. Dessus. Voilà. Ça indique que je peux pas ramasser. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai déjà ramassé. Tu me diras. Ok. On est full. Donc. Les armes. Thank you.
Je ferai tout. On reste au-dessus, qu'on s'en fout. Alors, ça peut voir, ok, ça c'est fait. Ça c'est sympa. Ah, il propose des 4x4, et un gros beau bolide. Ça c'est vrai que celle-là elle est sympa. La motocross. Hein. Donc, on avait dit capacité technique, ça c'est fait pour le moment. 7 dans l'âme. L'âme. Meilleure défense et est-ce qu'il restock une puissance d'endurance. Voilà. C'est ça qui m'intéresse, mais il faut être monté au niveau 20. Frappe du dragon quoi. J'ai vraiment hâte de l'avoir celle-là. Mais bon, il faut monter à 20 en réflexe. Ce qui est pas donné. Wow. Oh merde. Il est mal en point, mais en vie. Je me demande ce que va me dire Dennis. Alors ça y est, vous avez le colis? Vous auriez pu me dire que votre colis, c'était un mec. Si ça avait été un cajot de banane, je l'aurais mis à la poste, Einstein. Alors, c'est qui? L'ambassadeur du Mexique. Sérieux, on s'en fout de savoir qui c'est. Je vous ai préparé une bagnole. Mettez le type dans le coffre et allez à Northside. L'adresse est dans le GPS. Ok. Encore une chose. Faites gaffe au Tiger. Il recherche activement votre nouvel ami. Attendez, quoi? Il a raccroché ce con. Ok. Ah, évidemment. Voilà. T'as de la chance, hein. Allez. Je rêve où ils étaient en train de se tuer. Ils étaient en train de se tuer. C'est bon, je me casse. Allez.
C'est une ponte des Tiger Claw. Je peux pas ramasser l'item, ah, c'est dommage. Bon. Au secours ! Je vous mettre dans le coffre. On va rouler tranquillement jusqu'au point d'extraction. Bon. Voilà, c'est fait. Je vois ça. Bien joué, c'est du beau boulot. Ça va, vous tenez le coup, Haruyoshi ? Dennis me donne espoir. C'est très émouvant tout ça, mais vous m'avez pas encore payé. Je sais, tenez, en espérant que cette lame vous sera utile. C'est quoi votre nom déjà ? Neurochirurgien. Meilleure demande. Pas instant. Ok. Et du coup, le corps. Ok. Bon. On va... Va, c'est parti. Et du coup, elle est revenue en bon état. Ça, ça fait plaisir. D'accord, ok. Il y a pas de garage, je crois, réellement dans le jeu. Et ça, c'est un peu dommage. Du coup, ouais, on va se quitter là. Attends, non, non, là, on va faire le dernier là. Petit dernier coup. On se quitte. Pour le plaisir du jeu. Pour le plaisir. J'adore. Ah, j'avais pas ramassé le truc là, t'es en train de me dire ? Ah, c'est fort probable. 150 mètres. Ah ouais, on l'a pas fait ça. Ok. Côté Ok. Et voilà. Éliminé. Oh, le plaisir. Le plaisir. Allez, zou. Et du coup... Oula, on a terminé. Et je vous dis au prochain épisode, et sur ce, portez-vous bien. Ciao ciao.